Il y a une épicerie, avec un épicier dedans. Il attend le client. Bande de petits salabas. Les clients arrivent, c'est un chinois. Monsieur, monsieur. Je suis chinois. Je vais ouvrir un restaurant chinois juste à côté de chez vous. Évidemment. Tu m'aurais dit que t'avais ouvert une crêperie bretonne, je t'aurais pas cru. Qu'est-ce que tu veux, Niakoué? Bon, monsieur, je voudrais prêt. Je voudrais 10 boîtes de canibou. 10 boîtes de quoi? 10 boîtes de canibou. Pourquoi faire? Bon, monsieur, c'est pour donner à manger à mes chiens. Elle est bien bonne, celle-là. Dis donc, tu vois ici, c'est un petit magasin. Et là, sous le béret, c'est une grande surface. Tu sais lire? Y a pas marqué connard laqué. Si tu crois que j'ai pas compris que tu voulais 10 boîtes de canigou pour faire ta cuisine de dégueulasse. Mais non, monsieur, écoutez, ce n'est pas pour faire de cuisine de dégueulasse. C'est pour donner à manger à mes chiens. Bon, naturellement. Tu veux 10 boîtes? T'as dit Kléber. Ça va t'étonner? Je ne te crois pas. Mais monsieur, je vous assure. Tais-toi. Si tu veux que je te croie, t'as qu'à aller les chercher, t'es dit Kléber. Allez hop, fiche-moi quand. Allez, hop, dehors. Oumpté, oumpté, oh. Putain de français de merde. Et 5 minutes plus tard, il est de retour avec les chiens. Il y en a plein, il y en a 10. Des petits, des grands, des Yorkshire. Des gros bulldogs qui bavent. C'est comme s'ils mangeaient des escargots crus. Doberman. Mon comptoir. Oh, bougre de salabar. Bon, ça va. J'ai qu'une parole. T'as dit Kléber, les voilà tes 10 boîtes de canigou. Salabar. Attends. Et tâche de pire revenir, hein. Je te les file. Mais je veux pas te revoir dans la boutique. Allez, fous-moi le camp. Hop. Et chinois s'en va. Le lendemain, l'ancien par épicier, toujours dans sa boutique, arrive le chinois qui revient. Monsieur, monsieur, c'est encore moi. Je t'ai pas reconnu. Qu'est-ce que tu veux encore le brider? Monsieur, écoutez, soyez gentil. Je voudrais 10 boîtes de... 10 boîtes de quoi? 10 boîtes de... Tu te fous de ma gueule. Dis donc, hier tu m'as eu pour avoir tes 10 boîtes de canigou avec tes 10 clébards. Tu vas pas me dire aujourd'hui pour avoir 10 boîtes de rond, t'as dit ma toux à nourrir. Mathieu, Mathieu, j'ai dit ça à nourrir. Je te crois pas, je te dis. Amène-les ici, t'as dit ma toux. Je te filerai pas tes boîtes de rond avant. Allez hop, il met tout à gauche, gauche. T'es quand même mal, des bidons. Oh, putain de français de merde. Et 10 minutes plus tard, il est de retour avec les chats. Il y en a 10. Tout. Il y en a 10, salopard. Il m'a encore eu. Oh, le mignon petit pépère. Allez, gentil, toi. Salopard. Il m'a défuré, hein. Très bien. Je te dis, j'ai qu'une parole. Et voilà tes 10 boîtes de ronron. Oh, le salopard. Tu te les emportes. Je veux plus te revoir dans la boutique, je te l'ai déjà dit. Mais là, je te le dirai pas 3 fois. Si jamais tu reviens, je te fais une coupe d'un corpo avec mon canif. Et s'il reste des mèches rebelles, une bombe d'insecticide, un briquet, et on nettoie tout le lance-flamme. Il a de l'humour, mais... Allez hop, tout le camp. Et chinois s'en va. Mais le lendemain, pendant que le para est monté sur son escabeau, en train de remettre de nouvelles boîtes, le chinois revient avec un petit paquet en papier d'aluminium. Coucou, bonjour, monsieur, monsieur, je suis la police, c'est pour vous. L'autre sur l'escabeau. Tout, ça va. Je t'invite pour revenir. Tu joues avec tes cheveux, toi. Qu'est-ce que tu veux encore, le citron? Mon monsieur, c'est pour vous. Goûtez, goûtez. Je vois, je vois. Il essaye de m'abandouer en me faisant goûter sa cuisine de dégueulasse. Très bien. Je vais lui montrer qu'un ancien paras a du cœur au ventre. Allons-y. Ah la vache, ta chmoute. Oh. Très bien. Pour la France. Ah, non mais dis donc, mais c'est de la merde. Oui,
je voudrais 10 rouleaux de papier toilette.